Voici la Saskatchewan, la province des prairies, tout en ciel et tout en champ. Mille après mille, il défile, ondoyant. C'est vaste, c'est énorme. J'approchais de la petite ville d'Eston, première étape de mon nouveau territoire de vente. Il était temps. La route désertée verglacée, 40 degrés sous zéro, ce n'est pas ce qu'on appelle un voyage d'agrément. Ça ferait du bien de revoir des gens. Ai-je bien dit des gens? Étrange. Fermé pour cause de curling. Fermé pour cause de curling. C'est une épidémie. Voyons, on pourra peut-être me renseigner ici. Mais ils sont tous malades, alors. Tiens, 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 tiens. De plus en plus curieux. Le curling, c'est comme l'amour. Quand il vous tient, c'est pour toujours. Le curling s'étend par-delà les frontières locales, provinciales et même nationales. Il vous faut l'uniforme, la casquette appropriée, une paire de bottillons, un balai et des pierres. Des pierres. Un balai. L'art d'exécuter un parfait lancer. Il ne faut mouvoir ni tête, ni épaule, ni corps, mais pousser le tout d'un coup sans effort. Rien de plus simple. Je suis sûr d'être très doué pour ce jeu. J'y serais même excellent. Le champion sans conteste de l'Ouest. C'est bien ça. Et maintenant, allons voir les habitants.
Il fallait bien que je prouve au bureau-chef que rien n'était au-dessus de mes forces. Je demande si je puis y jouer. On me présente à Bob, qui se préparait à affronter la glace. Moi, il fallait que je la rompe. Je sors mon bagout, quelques vieilles ficelles de mon traité du parfait vendeur, et le tour est joué. On m'accepte. Naturellement, Bob a bien dû voir à qui il avait affaire. Les champions ne se mangent pas entre eux. Ce qui importe avant tout, c'est de passer inaperçu. Le jeu est très simple. Lancez la pierre sur la glace pour l'envoyer droit au but. S'il y a déjà des pierres en place, ça ne fait rien. Il suffit de les chasser avec la vôtre. Le gagnant est celui qui a ses pierres au but à la fin de la partie. Doucement, ne nous énervons pas. Je vois l'arrêt, naturellement. Oui. Bien. Oui, c'est clair. La masse de la pierre fait tout le travail. On visait bien le balai. Compris. C'est un peu court, mais c'était un beau lancer. Je dois dire que mes adversaires ne sont pas mal non plus. Quoique l'utilité de tout ce nettoyage m'échappe un peu. Il paraît que ça améliore la trajectoire. Je veux bien l'admettre. Même que ça a l'air d'aider. Ouh là, c'est de toute beauté. Oui, de toute beauté. That was better. Il paraît que le sport embellit l'homme. Ici, il semble bien que le curling soit le sport par excellence. On se concentre, on calcule, et ça y est. Une pierre bien placée, celle-là. Very good. Les points grimpent. La pression sanguine aussi. Heavy! Et lance-moi ce caillou en beauté. Sweep! Sweep, sweep, sweep! All the way! Il faut dire que les copains ont un avantage. Ils sont tous fermiers. Ils ont tout l'hiver pour s'entraîner. Et l'hiver, en Saskatchewan, c'est long. Imaginez qu'ils construisent même des allées avec de la glace artificielle pour l'été. Sûrement, on aura de la peine à les battre pour le championnat du monde. Yeah, bring it up. La partie tire à sa fin. C'est le dernier coup qui va décider du vainqueur. Les dents se serrent. La tension devient insoutenable. Sweep, sweep, sweep! Victoire, c'est réussi, formidable. Et on se serre les mains et on se félicite. Tiens, en voilà un qui ne me félicite pas. Heureusement qu'il a le sens de l'humour. Eston n'est qu'une petite ville parmi tant d'autres en Saskatchewan. La première que j'ai couverte dans mon nouveau territoire. Ce territoire s'annonce comme une vraie mine d'or pour un vendeur de balais.